kiss for you. Allez, bonjour tout le monde, c'est Kevel pour une nouvelle vidéo sur Cities Skylines. Donc on va continuer, on s'est arrêté la dernière fois. Bon ben, j'ai pas grand chose à faire pour l'instant. Donc on va encore attendre un peu. Bah attendre, oui, de toute façon on est beaucoup sur l'attente. Je vais enlever quelques bâtiments par-ci par-là. Il y a quand même un peu moins de bâtiments abandonnés de ce côté-là. Il y en a un là. Il n'y a rien de ce côté-là. Ah si, il y en a un là. Ici. Il n'y a rien. Ah, là aussi. Oh, le bordel là aussi. Ah non, là bah non, c'est bon. Ouais, non, c'est bon, ça peut aller encore. Pas trop grave encore. Je croyais que c'était plus grave. Il y en a un là aussi. Que tu gardes. On commence à avoir un peu de mort aussi. Mais bon, c'est normal. Tout à fait normal. Alors là, je sais pas, je vais ralentir. On va finir ici et on va mettre que des bureaux dans ce coin. Vu que de la façon derrière il y a les trains, donc. C'est bon, impeccable. Et ben on va attendre un peu maintenant. Nombre d'habitants continue à grimper, ça c'est une bonne nouvelle. Il nous reste, on fait le calcul, 40. Attendez. 60 000, on est à 60 000, donc il nous reste 57 000 environ, ça. Un peu plus de 57 000 habitants. Donc voilà. On va essayer de gagner 10 000 habitants dans cette vidéo là aussi, si tout va bien. Voilà. Encore pas mal d'entreprises abandonnées. C'est bizarre, ici ça brûle souvent et il n'y a pas de pompier qui vient, donc je vais regarder s'il y a des pompiers. Il n'y a qu'une caserne là. Thank you.
Nous donne de l'eau. Calme. Là, ça avance bien quand même. Ça construit encore. C'est trop stylé là, putain. C'est vraiment trop stylé. Après je pourrais agrandir aussi un peu là aussi, mais bon, on verra plus tard. Parce que, de toute façon, j'ai encore un quartier aussi à construire. Il y a encore des maisons à se construire là, donc voilà. Trente-deux mille ici, 3777. Je me demande si je vais pas mettre cette route là en sens unique. C'est ce que je vais faire, je vais pas m'emmerder. Qu'est-ce qu'il y en a? Voilà, impeccable. Mais si, par contre, faudrait. C'est normal de mettre dans le sens unique aussi. Côté rentrée, par contre. Non, côté sortie. Voilà. Ça permettra d'avoir une seule entrée dans le quartier et une autre avec une seule sortie, voilà. Ils sont obligés de tourner à droite. Et voilà les statistiques de la ville. Ah là, on voit qu'on continue à grimper. Ça, c'est une bonne nouvelle. 202 662. On a quand même peiné. On a mis presque 55 ans pour atteindre ce nombre d'habitants là. Tant mieux, tant mieux. Allez, on continue.
Par contre, je vais mettre un feu rouge là. Ça va être le bordel. Voilà, c'est impeccable le feu rouge, j'aime bien. Ça passe mieux. Voilà, ça continue à se grandir petit à petit. Voilà, il y a un peu de plus d'habitants que de la droite. Et là-bas, il n'y en a aucun encore. Oui, il n'y a aucune maison encore. Super. Ah, on est en train de perdre des habitants maintenant. Ah, on est en train de remonter. Bon, bah, on remonte. Bon, bah, c'est bon. Là, je vais le mettre plus loin, là, parce qu'il gêne. Tac, je vais le mettre ici. Voilà. Il y a encore des zones d'habitation là aussi, oh là là. Pourquoi des ambulances? Ah non, je croyais que c'était des ambulances ça. J'ai eu peur. Je vais regarder encore les embouteillages en dessous parce que... Ah, c'est pas de la faute de là, ah c'est pas de la faute de là. C'est encore là. Ah putain, ça rebouchonne. Parce que. Ok, il y a pas mal de nouveaux habitants encore une fois. Ouais, c'est normal. Bref, voilà, c'est le temps d'arriver. C'est un problème d'augmentation d'habitants, donc c'est normal. Mais une maison continue à se construire. C'est des maisons aussi, donc ouais, c'est normal. Et là-bas, c'est ce qu'on se trouve, quoi. Toujours rien. Super. Bon, on va attendre un peu maintenant. Il reste plus qu'à attendre. C'est de l'attente, de l'attente et de l'attente. Poubelle là. Ouais, il y a un petit embouteillage, c'est normal. Enfin, c'est dedans. Tout à fait normal. Ça prendra le temps qu'il faudra. Ici ça avance un tout petit peu. Il est plein lui. Ah ouais, il est plein. Et lui. Ah il est pas plein lui, c'est bon il arrive. Il doit être plein là maintenant. Non pas encore, il pourra prendre des... Ouais c'est bon.
Regardez l'embouteillage de la rue là. La place à boucher ne presque plus, donc il reste plus qu'à dégager cette route là, c'est bon. Ok, et là ça va bien construit, côté magasin, côté maison. Il y a un problème de poubelle là aussi. Il va falloir attendre qu'il y ait quelqu'un de poubelle. Ah ouais. D'accord. On va attendre que les camions de poubelle arrivent. Ouais, d'accord. Bah, super. Oh là 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 là. C'est pour près d'arriver. C'est quoi mettre un feu rouge là? C'est, ils arriveront jamais. Ils veulent tous tourner à droite donc. Bah, une bonne partie veulent tourner à droite. Pas tous, mais une bonne partie. Bah là ils vont nous enlever les déchets avec tous les camions qui suivent là. Faut être fou pour avoir autant de camions de poubelle, je vous le dis. Ça c'est bien, le train il est ralenti pour laisser la place aux camions. J'en ai un train de camions de poubelle là. Voilà, ils vont sortir petit à petit. Et ça continue à sortir. Oh là. Il y a un embouteillage et quand même une poubelle, hein. Ça j'en crois pour mes yeux. N'importe quoi ce jeu. Des fois on se demande s'il est pas un peu fou. Comment ça se passe à grandeur, ça continue. Ouais, il y a des maisons là. Bon, comme d'habitude, c'est des boutiques. Ah ouais, ils viennent tout ça avec un poubelle, super. Maintenant, ils viennent me boucher la route ici. Oh là là. Oh le bordel. Bon, c'est pas grave, ça va se débouchonner tranquillement, mais bon. C'est chiant. Là, ça continue à se grandir. Mais on perd des habitants maintenant. Bah pas beaucoup mais on en perd une fois de temps en temps, non, on ralentit pour l'instant. On va refaire un truc là, c'est Aina. On va passer par des chiffres.
Voilà, un peu que ce sera bien mieux comme ça. Ce sera bien mieux pour tout le monde. Et il n'y aura plus d'embouteillage de camion de poubelle comme ça. C'est un peu à cause du train aussi. Là, ça continue comme ça, un petit peu de temps en temps, et là-bas, toujours rien. Par contre, les boutiques se sont prolongées. L'électricité n'arrive toujours pas au niveau 2. Non, l'école est un peu trop loin là. Je suis déplacé la caserne de l'autre côté de la rue. Normalement, ça devrait remettre l'électricité partout. Même pas. Donc on va mettre un petit parc. On va mettre un terrain de tennis là. Normalement l'électricité va sauter là. Voilà, impeccable, ça a sauté. Normalement tout le monde a l'électricité là. C'est quand même assez long. On reprend l'augmentation des habitants, mais bon. On en repère. Pour l'instant, il y a peut-être beaucoup de décès, donc je vais voir ça. Non, même pas, non. Est-ce que le... Non, pour l'instant, le c'est derrière, donc ouais, je sais pas. Pour l'instant, c'est en train de se stagner. Bon, on va aller prendre la photo de la grosse nouveauté de cette vidéo là. C'est le pont qu'on voit là. Super. Voilà, un backup. C'est trop bien les nouveautés de ces épisodes. C'est quand même assez long l'agrandissement. Là c'est surtout des boutiques qui se construisent. Bon, ça avance petit à petit, mais bon. Comment ça se passe là-bas? Là, ça roule mieux là. Et là tous les camions poubelles sont partis enfin. Bah, ils sont en train de pousser toute ma ville, mais bon, ils sont partis. Ils sont tous là. Oh le délire. Après je pourrais continuer à grandir ici. Sur le nom de la côte là. Mais pour l'instant on n'est pas là parce que déjà ils arrivent même pas à construire ici. J'ai mis des maisons là. Ouais c'est ça, j'ai mis des maisons ici. Et des maisons là, et là il n'y a rien par exemple. Donc vous voyez. C'est quand même non. Donc c'est un épisode où il doit y avoir des décès, je pense. Il doit y avoir un paquet de décès si je regarde la ville. Ouais, c'est même sûr. Le taux de mortalité doit être plus important que le taux de natalité. En sachant que ça se construit pas là, donc... Ah oui, les écoles, comment ça se passe? Ah oui, le budget, est-ce qu'on peut augmenter? Budget. Hop. Là, je gagne de l'argent sur les bus, mettre je perds de l'argent.
Ça c'est trop bien ça. Après je peux baisser les impôts aussi. On va baisser les impôts. Voilà, ça permettra de faire venir plus de gens encore. Je vais, j'ai baissé les impôts, là, ça commence à construire. Regarde, les constructions reprennent. Donc j'ai pas fait des EPC. De toute façon, des terrains, on peut en racheter, on en a pas mal déjà, pour l'instant. On verra. C'est bizarre, baissant les impôts, j'ai des nouvelles constructions. Et là, j'en ai ou pas? Ah, ouais, aussi, là, ça arrive, ça commence à arriver de ce côté-là aussi. On perd pas mal d'argent, par contre. On peut pas augmenter les places, par contre, là. C'est ce que j'allais faire, genre, les places. Non. Ah bah c'est la sécurité de ça. On est déjà au maximum des prix là, non, comme là. Ouais, on perd beaucoup trop d'argent là. On va passer à 11 parce que... Voilà, on peut laisser à 9, c'est pour ça qu'il va nous... On perd trop d'argent, moins 95 000. Attends, ça va pas le faire, ça. On va toujours remonter un peu les impôts. Quand même, parce que là, c'est beaucoup trop les pertes. J'essaie de faire venir du monde, mais là, perd trop d'argent. Et les écoles, on est bon ou pas là? On est un peu mieux ou pas? Ouais, non. Mais il y a trop de. Il n'y a que l'université, même l'université, je pense que j'en ai rasé une. Je vais raser celle-là. Ça va me faire un peu d'économie. Ouais, c'est bon. Le collège, je vais en remettre un là. Les écoles primaires, on va en remettre un là. Non, plutôt. Ah, il y en a un peu là. Je vais mettre une deuxième ici. Voilà, bon, on peut pas faire mieux, on peut pas en mettre trop non plus. On a changé le collège pareil, on a pas besoin. Et les bureaux, ça va continuer à se construire là aussi. Allez, on en est revenu à c'est moins sévère les pertes. Sinon, ça ne l'aurait pas fait. Ça se continue à se construire, ça c'est bien. Là, on est en train de se stabiliser, mais je pense que, comme je le dis, il y a pas mal de morts. On va aller voir ça. Statistiques de la ville. Ah non, la mortalité a baissé. Ouais, bah, je sais pas.
On va ajouter des commerces ici. Avec de l'eau. Voilà. Ah, c'est reparti de l'autre sens, ça c'est bien. On remonte un petit peu. Là-bas, ça commence à se construire. Quelques maisons qui apparaissent là, par-ci, par-là. C'est une bonne nouvelle. Et là-bas, on va pas ça. Ah si, il y a un peu de demande de maison maintenant, ça y est, ça remonte. La demande remonte un petit peu. Côté maison. Et il y a aussi là que c'est pas fini encore. Je pense là aussi, ouais, c'est ce que je pensais. Il va falloir assez de temps. Dès qu'on aura fini ce quartier-là, on continuera l'agrandissement ici. Donc on va remplir ce quartier-là. Après, on ira surveiller celui-là. Je pense que là, ce serait bien aussi. Ah, ça c'est bien ça. Je vois un truc là, c'est... Toujours pas. Il y a une petite augmentation, je vois, il y a des bons, mais bon. Ça va petit à petit en fait. Là-bas, ça va comment là? Oh, il y a encore quelques petites maisons par-ci par-là qui se construisent. Et côté commerce, ça commence à se construire aussi là. D'accord. Et côté bureau, il n'y a rien qui arrive là pour l'instant. Je suis comme côté entreprise. Bon, bah, on va arrêter l'épisode là, les gens. Donc, on n'a pas fait grand-chose. Si on a remis le train comme ça, c'est tout. Ici, on a ajouté un peu de commerce là, mais bon, c'est pas exceptionnel. Et aussi, débouchonner un peu et modifier certaines routes. Ah, il y avait déjà une université là aussi. D'accord. Donc, on va arrêter l'épisode là, les gens. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la plus tout le monde.